Hello, c'est Dog et c'est parti pour un nouvel épisode de The Witcher. Alors, je vais continuer la quête de. Comment elle s'appelle cette quête? Son Altesse la Strige. Mais je pense. Je pense que je vais devoir enchaîner avant de terminer cette quête. Je pense que je vais devoir faire la quête. Comment on appelle ça? Elle s'appelle comment cette quête? Vengeance, tout simplement. Il y a de fortes chances que je fasse cette quête. On verra bien. Bon, on attend. Ah bah tiens. Alors, voyons. Bah tiens, regarde. Salutations, Gérald. Vous connaissez Rayla? Une transformation inédite lui a conféré le don de la vie. Gérald! Une transformation inédite? Le don de la vie? Vous qualifiez de vivant cet assemblage de muscles et de sang complètement soumis? Elle est mieux que vivante. Elle est parfaite. Vous le découvrirez vite. C'était ça, votre expérience? C'est pitoyable. Rayla, ma chère, vous n'allez pas laisser cet hybride insulter votre maître? Gérald! Étouffe-toi! Alors, je l'attaque avec quoi là? Voilà. C'est quand tu veux, hein. Je suis complètement bloqué, je peux absolument rien faire. Bon, c'est terminé. Qui c'était cette gonzesse? Elle a rien, elle a pas grand-chose à m'offrir, c'est quoi ça? Ah ouais, d'accord, ok. Bon, élixir inconnu, je m'en fous. J'en ai pas eu besoin avant, j'en aurai pas besoin maintenant. Bon, ben voilà. Glaive inégal. Bon, ben moi je continue. Hein. Je continue mon ascension. Voilà. C'est quoi ce machin? Un chien mutant? Bon, je vais utiliser une autre tu arme pour vas aller. Crever lentement. Et voilà, ça va beaucoup plus vite. Maintenant, j'utilise l'autre arme pour lui. Ah merde, ce serait peut-être pas mal de. Terminus, tout le monde descend. Il y a des trucs intéressants, lui. Il y a encore des ennemis. Tu as défié la salamandre. Merde. Je l'ai empoisonné carrément. Où est-ce que tu vas? Ouais, est-ce que tu vas? Ah, voilà, terminé. Ah bah tiens. Ça c'est bien ça. Merde, c'est pas ça. Oui. Oh oui, c'est bien. Non. Ça aussi c'est bien. Ok. Mutagène. Voilà, voilà. Bon, là, je continue. Ok, d'accord, laisse tomber. Je peux... Ouais, je peux passer par là. Je dois passer par là, de toute façon. Ton heure est venue. Oh putain. Il a pissé du sang, mais c'était violent, quoi. Reste là, pourquoi tu t'enfuis? Reste, on va jouer. Ah oui, ça fait mal, hein. Ah oui, ça fait très très mal, je sais. Hop là. Avant tout me débarrasser d'eux. Une dernière volonté. Ton heure est venue.
personne ne peut défier la salamandre. Personne. Si, lui il peut. Regarde, t'as vu, il peut. Bah, c'est nul ce que je suis en train de raconter. Et voilà, terminé. Ouais, c'est bien ça, je suis obligé de faire la quête vengeance avant que... Oh là ! Oup là ! Oh, ça commence à faire bobo, là. Ah ouais, c'est... Oh putain de merde ! C'est quoi ce machin ? Nom de Dieu ! Oh, ça commence à s'exciter fort, là, par contre. Là, je veux vraiment crever, là. Ah, j'en ai eu un. J'en ai eu deux même. Mais il reste plus que le gros en fait. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Bon bah je l'ai presque tué. Bah, ils font très très mal. Hein. Terminé. Oh. Ah bah tiens, regarde. Salutations, loup blanc. Yevin, ravi de vous revoir. J'ai accouru aussi vite que j'ai pu. Juste à temps. Loup. Il y a des mecs derrière. Ah non, c'est des mecs qui font partie de la squelettelle. C'est la squelettelle, tout simplement. Alors ouais, ça c'est uniquement si je fais équipe avec... Enfin, si j'ai choisi de faire équipe avec la squelettelle, tout simplement, et ben je me retrouve à ce moment de l'histoire, je me retrouve avec lui. À ce moment de la quête, je me retrouve à parler avec lui. Par contre, si j'aurais choisi la rose ardente ou j'aurais été neutre, je crois que j'aurais retrouvé Triss. C'est ce qui a marqué dans la soluce, tout simplement. Je ne fais que répéter comme un crétin. Je dois entrer dans le repère de la salamandre, caché dans le vieux château. Comment ça se passe en première ligne? Incroyablement bien. Nous avons infligé de lourdes pertes à l'ordre. Par ailleurs, un émissaire royal est arrivé pour négocier. Ils veulent soit m'éliminer, soit me corrompre. S'il y a la moindre chance de voir reconnaître les droits des non-humains, il faut la saisir. Mais qu'est-ce qui a décidé Foltest à négocier? La victoire est à portée de main. Négocier, vous n'avez rien à craindre du roi. Qu'en savez-vous? Je m'en suis assuré. Mais je voulais pas... Non. Et les gros machins, là, qu'est-ce qui cache, le gros? Il ne cache rien, je ne peux rien prendre. Bon, tant pis, allez, on se casse. On va les suivre. Bon, laisse tomber. On continue à lui parler ou pas? Ouais, on peut lui parler. Lou. Je dois entrer dans le repère de la salamandre cachée dans le vieux château. La grande porte est fermée, mais je connais un autre passage. Ah oui? C'est un puits en pierre. Si vous parvenez à vous y glisser, vous tomberez sur les sous-sols du vieux château. Peut-être plus tard. J'ai d'autres choses à faire. Non, j'ai rien à faire. On y va. Parfait. J'ai terminé toutes mes quêtes, donc c'est partout. On y va. Je dois le suivre. Attends, je vais à l'opposé là. Ah oui, d'accord, oui. Non, c'est bon, je dois le suivre. Vas-y, continue. Mais n'aie pas peur. Qu'est-ce que c'est? Ah non, ce sont des membres de la Scoliatelle encore. Barrez-vous. Continue à le suivre. Là, c'est vraiment au cas où il me reste quelques quêtes secondaires à faire. Mais dans le chapitre 5, hein. Après, les autres quêtes, c'est foutu, quoi. Les quêtes que je dois accomplir dans le chapitre 5. Mais là, j'ai vraiment tout accompli. J'ai plus rien à faire, quoi. Je n'ai plus absolument plus rien à faire. Donc, c'est parfait. C'est parfait, ça fait plaisir. Même les quêtes à la con qui, au début... Le jeu de dés, tout ça, c'est vraiment des trucs à la con, mais bon, bref. Oh putain. Oh putain! Regarde-moi ça. Encore des mutants. Alors, je sais pas si je dois me les faire avec... Bon, déjà, hein, je leur fous ça, déjà. Bon, je vais me le faire. En mode puissant, ou... Bon bah ça va, comme c'est bien comme ça. Où vas-tu? Pourquoi tu t'enfuis?
Putain, tu parles d'une bande de mutants, ils sont tout pourris. Attaquez-les! Et voilà. Bon, allez, un petit coup de feu là parce que. Et voilà. Attrapez la corde et descendez! Et vous? Nous vous couvrirons. D'autres mutants arrivent. Mais. Vous devez arrêter vos ennemis. Vite, ils approchent. Bonne chance et merci. Là, on est vraiment dans la quête La Vengeance. Hein. Pour terminer la quête avec la... Avec la princesse et tout, là. La Strige. Bah, faudra terminer cette quête avant. Normalement, là, je vais retrouver... On devrait retrouver... comment on appelle ça? On devrait retrouver... Ah ouais, c'est violent ça. On devrait retrouver Berengar. Vu que je lui ai laissé la vie sauve. Ah merde. Attends, c'est quand tu veux que tu meurs hein. Voilà. Pas mal que je me le fasse, voilà, comme ça, en mode puissant. Ah, j'y vois rien. Eh non, sérieux, j'y vois que dalle, là. Ça casse un peu les burnes. Bon, ils viennent jusqu'à moi. Bon, on va les attaquer. On va attendre que... Je crois que ça prend du temps, là. Enfin, ça prend du temps, non. Non, ça va, j'exagère. Par contre, de ce que j'ai lu, Berengar il va crever ensuite. Oh putain, c'est violent. C'est violent. Oh merde, j'y vois plus rien. Oh nom de Dieu. Oh putain. J'ai pas d'autre élixir de chien, j'en ai fait qu'un. Non, j'en ai fait deux ou un, je sais plus. Ah ça m'emmerde. Ah j'y vois rien là. Oh putain, en plus c'est un ennemi là, c'est génial. J'y vois rien alors qu'il y a un putain d'ennemi qui me casse les couilles. Waouh. Il m'a fait une technique de... Oh là, il me fait une technique de mal mental là. Ok, d'accord. Il est trop rapide. Eh ben on va faire attaque rapide alors. Waouh, il est extrêmement rapide hein. Voilà. Oh c'est horrible. Non, je pense pas que j'ai du chat. J'ai du chat. J'ai un élixir de chat. Je n'ai pas d'élixir de. Non, ça c'est bizarre. Non, j'en ai plus. Là, j'aime pas avancer dans le noir comme ça, ça m'énerve. Non, j'en ai vraiment plus. Hein. Laisse tomber. Laisse tomber, je vais continuer comme... Oh là, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a par là? Moi, j'en sais rien. Ah, je peux y... Ah, je peux y aller. Je peux y accéder. Oh. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, si je le vise pas, ça va pas marcher. Bon, allez. Voilà, c'est mieux comme ça. Je l'ai carrément empoisonné. Et voilà. Alors, je sais pas ce qu'il y a de ce côté là. Attends, on va aller sur la quête vengeance. Ah bah j'y suis déjà. Bon, on va la suivre alors. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté alors? Je dois suivre ce chemin. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Je suis bloqué. Non, c'est bon.
Ça se trouve, il n'y a rien de ce côté. Enfin, si, il doit y avoir quelque chose. Oh là là, c'est horrible. Ah oui, je crois que cette porte, elle est complètement fermée. Non. Ok, d'accord. Il suffit que je dise que la porte est fermée pour qu'elle soit ouverte. C'est magique. Ouais, c'est mon pouvoir à moi. Putain, des fantômes maintenant. C'est la sortie? Non, en fait, c'est que dalle, je peux pas y aller. Impossible. Ah oui, non, mais... Ah mais si, c'est bien une sortie. Hein. Ah ouais, d'accord. Voilà, terminé. Non mais crève. Ah ouais, le signe d'Ini, il est violent. Où tu vas? Pourquoi tu fuis comme ça? Voilà. Alors qui a dit... C'est plutôt joli l'effet de lumière par ici. Sortie des catacombes. Oh, je veux pas sortir maintenant. Oh, je veux pas sortir maintenant, j'ai à peine d'arriver. Et où il va ce con? Et voilà, terminus. Me prendre la tête avec les restes. Qu'est-ce que c'est que ça? Passage du laboratoire. Passage du laboratoire. Dans ma tête, je me suis dit, cette porte est ouverte. Bon, en fait, elle est fermée. Sérieux, il y a quoi là? On va y aller. Attends. Oh putain, le con! Ah, en fait, c'est la sortie, je suis... Oui, je savais que c'était la sortie, c'est pas ce que je voulais dire, mais... En fait, je suis revenu en arrière, c'est ça? Non, mais non, je suis pas passé par ici au début. Non, je suis pas passé... Si? Ah, je m'en souviens plus. Ouais, laisse tomber. Ah si, peut-être que je suis passé par ici. Oh, putain, c'est horrible. C'est parce qu'il fait tout noir, c'est pour ça. Quelque chose par ici. Mais non, je suis pas passé par là, je suis passé par ici. Ah, et puis merde, j'en sais rien. C'est pas grave, on continue. Ça arrive. Non, ça n'arrive pas, mais bon, c'est pas grave. Allez. Ouais. Il y a encore... Ah bah tiens. Au nom de Dieu. Un crabe géant. Truc de ouf. Rayla vous a toujours admiré. Dommage. Quel beau couple vous auriez formé. La plaisanterie est terminée. Comme vous voulez. Voici mon Koshi, le tueur idéal. Nom de Dieu. Oh, il est en train de me faire du mal. Réveille-toi, Gérald, c'est pas le moment de dormir. Oh, le salaud. Qu'est-ce que tu fous? Allez, pulvérise-le. Mais qu'est-ce que... Putain, mais c'est un truc de malade. Merde. Oh putain, oh nom de Dieu. Il fait très très mal. Merde. Non, non putain. Je me fais défoncer putain. Bouge de là espèce de con va. Putain, même avec Ah là pour le coup oui, là pour le coup Voilà, là c'est vraiment... T'imagines en mode difficile? Est-ce que ça aurait donné?
Non, c'est... Ah, fais chier, il est mort. Ah, mais bouge, putain, espèce de connard, va. Ah, mais il va bouger. Putain, cette espèce d'enfoiré, bouge. En plus, cette pistole, elle... Putain, elle est rapide. Ah, j'étais tranquille, là, et... J'étais pépère, et... Putain, il est tout lent, ce connard. Putain. Vas-y. Merde. Il suffit que la bestiole m'immobilise. Et je suis foutu. Ah, c'est terminé. Allez. Putain de technique de merde. Bon, j'en ai ras le cul. Tiens, prends ça. Fais chier, je me suis trompé. Je me suis trompé de ça. Allez! Oh, le con, le con! Ah, j'ai voulu jouer les malins et... Mais qu'est-ce qu'il faut à tourbillonner comme un crétin? Quelle petite merde! Putain, c'est un truc de fou, je m'éloigne de lui, mais il me touche quand même, ce con. Ah, ouais. Hein? Attends, je laisse mon énergie. Là, je vais... Ah, voilà. Ça va mieux. Attends. Allez, Sordini, allez, on y va. Ah, là ça devient sérieux. Bon, normalement j'étais en train de m'endormir là. Je me disais qu'est-ce qui se passe. Non putain, non, fais chier, merde. Putain, ça me casse les couilles. Et maintenant il est en mode lenteur, ce connard là. Putain. Je sais même pas combien de temps ça va durer l'élixir d'hirondelle, je sais même pas combien de temps ça dure ce truc. Je peux pas m'éloigner. Ah, fais chier, ça recommence. Allez, mais bouge de là. Allez. Tiens. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai récupéré là? Cœur de ingrédient alchimique spécial, ah ouais? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de spécial? Oh là là, il m'a empoisonné ce con. Ce fils de chien m'a empoisonné. Je sais pas si je dois utiliser de là encore mon élixir de. Ouais, je l'ai plus. Je vais l'utiliser. Ah là par contre c'était chaud. Hein. Alors, je n'ose imaginer comment ça serait si j'aurais joué en mode difficile. Ça aurait été horrible. Alors, j'espère que le boss d'après n'est pas aussi dur, tout simplement. N'est pas aussi difficile. N'est pas aussi horrible à affronter que cette espèce de monstre bien dangereux. Là, pour le coup, on avait vraiment affaire... Là, voilà. On sent qu'on arrive à la fin. On sent que c'est un boss, lui. Bon, même si je l'ai buté, il faut pas déconner non plus, hein, avec l'armure que j'ai et tout. Mais en mode normal, mon gars, si t'es pas préparé, le jeu est terminé pour toi. Hein. En mode normal, si t'es pas préparé, quand t'arrives ici, c'est terminé. T'as pas boosté ton personnage. Enfin, je dis peut-être que des conneries, hein, mais ouais, ça serait. Il y a de fortes chances que le jeu soit terminé pour toi. Le mec qui a avancé dans le jeu sans faire les quêtes annexes, en avançant en mode bourrin. Bon, moi j'ai fait le jeu en mode facile, donc en plus je me souvenais même plus de ce truc là. Bref, de toute façon je me souviens de pas grand chose de toute façon. Mais ce que je dis, voilà, c'est le mec qui a fait le jeu en mode normal, mais qui a avancé comme ça, là, à ce niveau là, je pense que le jeu est terminé pour lui. Là c'est la fin du jeu, il peut plus rien faire, il peut plus retourner en arrière, il peut plus... voilà, là le jeu est terminé. Voilà, c'est pour ça que c'est important de faire les quêtes annexes, faire les quêtes secondaires, c'est... voilà. Maintenant après, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien entendu. On est dans un pays libre. Enfin, je crois. Je sais plus.
Alors, je dois passer par où? J'en sais rien. Par là, peut-être. Merde, je me suis trompé de... Ouais, c'est ça. Je vais passer par là. Oui, je peux en plus, c'est cool. Ah, je suis encore dans le noir. Est-ce que je vais devoir affronter des méchants? Oh, d'accord, ok. Je suis bloqué? Non, ça va. Ah, c'est horrible, j'avoue. Putain, c'est ces moments-là, tu prévois pas de chahuant et t'es comme un con. Ah bah tiens. Ah bah non, je peux pas... Je ne peux pas passer par ici, c'est foutu. Ce n'est pas grave. On continue gentiment, il n'y a pas de souci. Ça va par là? Ouais, c'est plus... ça a l'air d'être cool. Il n'y a pas d'ennemis. Tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que... Ouais, tiens. Bah, si, en fait, s'il y a des ennemis. Allez, on est partout. Non, par contre, je vais changer d'épée. Ton heure est venue. On se fait en mode groupe. Après, je sais pas si... Bon, on change encore d'épée. Ah, il est encore vivant, ce con. Bon, allez. Merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Qu'est-ce que je viens de faire, là? Allez, allez. Et voilà. Salut toi. Tiens, je vais voir ce qu'il y a par ici avant. Ouais. Ah mais c'est par ici que je suis passé de toute façon. Ah putain, non c'est bon. Je vais quand même vérifier. Ouais, c'est cette porte. Cette porte qui était bloquée, c'est ça hein? Ouais, bah elle est toujours verrouillée en fait. Bon, c'est pas plus mal. Au moins, ça c'est réglé. Alors, voyons un peu ça. C'est par là. On va enfin se débarrasser de cette foutue salamandre, une bonne fois pour toutes. C'est pas que j'ai rien contre eux, mais bon, il faut les tuer, c'est comme ça. Ah bah tiens. Gérald qui se retourne. C'est agaçant. Vous venez de détruire mon cocher, le fruit d'un travail acharné. Qu'à cela ne tienne, restons-en aux méthodes traditionnelles. J'attends de voir ça. Oh, vos menaces me font trembler. Mais pisser contre le vent ne salope que le pisseur. Vous êtes trop bavard. Vous avez peur? Vous venez de pisser dans une tornade. Tuez-le. Quoi, tuez-le? Qui ça, tuez-le? De quoi tu parles? Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je vais les tuer comme ça, hein, j'ai l'impression. Vous venez de pisser dans une tornade. Rien que ça. Eh oui, ça, c'est une réplique bien badass. Comme dirait l'autre. Bon, j'attends que mon pouvoir d'Igni... Je vais les tuer comme ça, j'ai l'impression. Ah, on va se faire... Bon, eux, ils sont moins puissants que... Voilà, c'est de la merde en fait. Bon, par contre, s'ils me touchent, peut-être qu'ils vont me faire très très mal, mais sinon, à part ça, c'est pas comme l'insecte. C'était quoi déjà? Oh, je sais plus. Encore des mutants. Ah merde. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais j'aimerais bien leur faire du mal aussi. À l'épée. Je leur fais absolument rien.
C'est dingue ça. Je leur fais rien, par contre ils me font très très mal. On va tester comme ça. On verra bien. Ouais. Ouais, ça change la donne. Enfin, je crois. Bon, allez. Et voilà. On y est bientôt. On approche de l'affrontement final. À votre tour, Javed. J'ai appris il y a longtemps à ne pas compter sur les autres. Avant de mourir, vous devez savoir une chose. Vas-y. Un groupe surarmé a pour mission d'achever tous les blessés de l'hôpital en obligeant cette putrousse à tout regarder. Après qu'ils l'auront violée, elle voudra mourir. Mais il sera trop tard. Nous lui donnerons des mutagènes pour observer sa transformation. Qu'en dites-vous, sorceleur? Encore envie de jouer au dur indifférent? Vous mentez. Vous lâchez vos assassins contre moi. Vous faites de beaux discours et d'élégantes menaces. Mais vous avez peur. Et vous ne faites que repousser l'inévitable. Alarzar Bintala. Ça me donne des idées, tout ça. Qu'il arrête de dire des saloperies comme ça parce que... Berengar, vous voulez un coup de main? Je suis surpris de vous voir ici. J'ai eu le temps de réfléchir. Lâche, vous connaissez le châtiment. Votre dernière chance d'y échapper est de tuer Geralt de Rive. J'aurais peut-être pitié de vous. Vos menaces ne m'impressionnent plus. Préparez-vous, mage. J'aime bien le mec qui regarde. Je suis venu vous chercher. On dirait un interdit à regarder le ciel comme ça. Nous nous reverrons. Loup blanc. Berengar a fait son choix. Il savait où Javed se tairait. Il savait aussi que tôt ou tard, je trouverais le mage. Il savait que c'était du suicide d'affronter Javed seul. Ça fait vraiment coupe de cheveux. Vous êtes dans de sales draps. Merde, il va se faire massacrer ce con. C'est bon, il est mort. C'est terminé pour lui. Ah merde. Ah je... Oh putain, il va... Ah putain. Je vais vous tailler en pièces. Je me fais massacrer là. J'espère que ma... Que... Mais tu vas lancer tes putains de sorts là. Ah non, je veux pas me faire tuer par ce mec, c'est pas possible. Bon, tu vas sortir ton arme, s'il te plaît. Vos petits tours ne vous sauveront pas. Putain, c'est pas vrai ça. Eh mais c'est un truc de dingue, je lui ai rien fait. Merde. Allez. Ah, mais c'est pas vrai ça! Je vais vous tailler en pièces! Mais attaque-le, connard! Merde, trop tôt! Ah, fais chier! Mais c'est un truc de dingue, il veut pas l'attaquer, cette espèce d'abruti là! Vos petits tours ne vous sauveront pas! Attaque-le! Ah oui, je suis con! Voilà! Ah, c'est mieux là! Si je choisis pas la bonne technique, ça va pas le faire non plus. Ah ouais, c'est carrément mieux là. Vous êtes dans de sales draps. Ah non, c'est plutôt toi qui es dans la merde. Je suis en train de tuer ma pute là en ce moment là. Ah ouais, t'es vraiment ma prostituée là. Je fais ce que je veux avec toi. Enfin, on peut pas franchement faire ce qu'on veut avec les prostituées, mais bon, bref. Contrairement au film de boule. Ah merde. Bon, de toute façon, il est quasiment mort. Bon,
Je veux pas non plus me la jouer lièvre. Je vais vous tailler en pièces. On va pas non plus la jouer la lièvre et la tortue, putain. Nom de Dieu. Allez, lève-toi du con, c'est pas le moment de dormir. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il lance lui. Putain, c'est pas vrai ça. Eh, mais c'est un truc de dingue. Vos petits tours ne vous sauveront pas. Allez, allez. Allez, Uni. Mais Uni, connard. Voilà, terminé. Un petit peu de frayeur. Mais sinon, voilà. Non, j'ai vraiment eu les jetons. Alors, qu'est-ce qu'il a à me donner, celui-là? Alors, voyons un peu ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bizarre. Ouais, si tu veux. On va tout prendre. On peut pas tout prendre. Ouais, c'est quoi ça? Salpêtre. Bah tiens, ça on va mettre ça là. Non. Alors, voyons un peu ça. Qu'est-ce que je pourrais virer? Ouais, ça. Bon, je dois encore virer des trucs. C'est quoi ce machin? Chevalier en argent, ça sert à rien. Le parchemin, c'est quoi ce truc? Ces notes contiennent la formule d'élixir concoctée à partir du cœur de je sais pas quoi. Une fois qu'on élixir, confère un talent or. Ah bon, intéressant. Bon, ça j'en ai déjà un. Ça m'en fera trois. Et je ne peux pas. Récupérer ce truc. C'est un ingrédient important ou c'est juste c'est quoi? Poudre de perles. Et ça c'est quoi ça? Sécrétion de Dagon. Ah non, sécrétion de Dagon, c'est important, c'est le caca du. C'est le caca d'un boss. On peut pas. Os de gravier. Ça je peux le dégager ça. C'est quoi ça? Efflorescence de bidon. Ah, faut bien que je dégage un truc là à un moment donné. Faut que je dégage un truc. Mais quoi? Moisissure, on va peut-être dégager ça. Peut-être que ça sert à rien, mais attends. Salpêtre. Et pour terminer, qu'est-ce que je pourrais encore dégager? Ah, je sais pas. Putain, j'ai plus d'aliments. C'est quoi ce truc? Contrat. Bon bah terminé avec les contrats. Hop là. Oh le contrat, il est énorme. C'est un putain de bouquin. Hop là. Alors où est-ce que je dois aller? Quoi, il a encore des restes? Ah non, c'est. Voilà. Terminé si tout le monde descend. Bon bah, peu importe, hein, quoi qu'on fasse, il crève. Il crève comme un con, de toute façon. Non, c'est la carte que je veux. On va utiliser le miroir. Javed, vous m'entendez? Que se passe-t-il? Où en êtes-vous des expériences? Je veux ces chevaliers mutants de l'ordre à visée main sur le champ. Envoyez-moi les ratés. Je n'ai plus le temps d'attendre. Répondez. Javed est mort. Geralt de Rive. Oui, c'est son nom. Je serai bientôt là, grand maître. Bientôt. Lou, vous êtes en vie? Oui, Yevin. Et je me réjouis que vous en ayez échappé. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Oui, mais pas comme je l'envisageais. Lou. J'ai tué le chef de la salamandre. Ça n'a pas l'air de vous réjouir. L'ordre de la Rose Ardente soutient la salamandre. Ça ne me surprend pas. Il faut en informer le roi au plus vite. Oui, j'ai un bateau amarré. Retrouvez-moi là-bas quand vous serez prêt. D'accord. Le rôle... La Rose Ardente soutient la salamandre. Après, on va pas me dire que le jeu n'est pas manichéen. Non mais sérieux quoi.
Ok. Attends, qu'est-ce que je dois faire là? Secret des sorceleurs. Et la vengeance, où me mène la vengeance? Elle ne me mène à rien. Non, sérieux, je dois aller où? Nous devons nous retrouver au port. Un bateau pour visiblement nous attend. Ok, bon ben c'est terminé pour cet épisode. On est à 40 minutes. Et à plus pour un prochain épisode. Ça va y aller. Hein. Je le sens, il faut que je termine. J'y suis bientôt. Allez, à plus.